Pour les structures itératives, Twig offre la boucle for avec un petit bonus. Donc, regardons un peu ce qu'on peut faire avec cette boucle-là. Donc, je vais enlever tout ça. Voilà. On a notre boucle, plutôt notre tableau fou qui contient ces trois éléments-là. Donc, je vais aller les afficher un par un. Donc, pour ce faire, on a notre petite for. Et là, la syntaxe du for est la suivante. Ça ressemble en fait au for each. Donc ici, for, notre variable qui va être incrémentée ou modifiée à chaque fois selon l'élément sur lequel elle pointe. Donc ma var as, plutôt in. Et là, c'est le grand élément qui contient plusieurs éléments. Ici, c'est notre tableau, donc info. Voilà. Et là, on peut faire ce qu'on veut. Donc, avec un petit end for, et à chaque fois on peut faire ce que vous voulez. Donc on va prendre un petit exemple et on va essayer de l'améliorer petit à petit en utilisant les fonctionnalités offertes par Twig. Donc ici je vais lui dire de m'afficher ma var, voilà, avec un capitalize, voilà. Et là si on actualise, on va avoir 1, 2, 3, c'est bon. Maintenant, imaginons qu'on veuille bon, retourner à la ligne. On va faire un petit bear ici. Comme ça, il va retourner. Ou bien, pourquoi faire ça? On va faire un petit tableau. D'accord? Donc, ici, je vais mettre mon petit table. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appuyé sur. Donc, table ici. Voilà. Dans ce tableau-là, je vais avoir un ter. Et dans chaque terre, je vais avoir un TD, tout simplement. Et donc, qu'est-ce qui va se répéter? Donc, puisqu'on a une ligne dans ce tableau, je vais mettre une petite bordure qui va être à 2. Et dans chaque ligne de cet élément, on va avoir un autre élément. Donc, cette boucle for-là, elle doit englober le terre. Donc, je vais prendre celui-là, comme ça. CTRL V, voilà. Cette partie-là, je vais la mettre dans le TD. Parce que c'est ce qu'on va afficher. Et on va finaliser notre boucle au niveau du TR. Donc il va répéter l'ensemble des TR autant de fois qu'il a des éléments. Donc voilà. Et donc si on affiche maintenant, on va avoir un truc plus joli. Voilà. 1, 2, 3. Supposons qu'on veuille que cet élément soit coloré à chaque fois d'une couleur. Si c'est pair, ça va être du bleu. Si c'est impair, ça va être du. Je ne sais pas, on va voir la couleur. Donc je vais utiliser style qui n'est pas très. C'est une très mauvaise pratique, mais c'est juste pour l'exemple là. Donc on va mettre color. Et là, je vais choisir celle-là. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit if, tout simplement. Donc je vais faire ça. Et je vais prendre ma valide style. Et hop, là, je vais faire un petit test. Donc ici, je vais faire un if. En fait, dans la boucle, on a automatiquement une variable qui s'appelle loop. Et loop, elle va nous permettre d'identifier les informations sur notre boucle. Donc loop, elle a comme propriété loop.index qui va nous donner le numéro d'itération courant en commençant par 1. Loop.revindex, c'est l'élément à l'inverse. Loop.first, c'est un booléen qui va nous dire si c'est le premier élément ou pas. Pareil à loop.last et loop.length pour nous dire combien d'éléments on a. Donc ici, on va lui dire if loop.index is s'il est impair, ben je voudrais cette couleur-là. D'accord? Maintenant, c'est un else. Si c'est pas le cas, je voudrais la couleur. Je sais pas moi. On va prendre celle-là, tiens. Voilà.
Là, on va fermer notre end if. D'accord? Et donc là, on peut savoir quelle couleur on va avoir à chaque itération. Donc si je réactualise, on devrait avoir des couleurs différentes. Vous voyez? Je vais agrandir un petit peu. Et là, on a bleu, rouge, bleu. On peut faire la même chose pour le background. Donc ici, je peux avoir background back. Il n'y a pas de virgule en fait. C'est back ground color, je crois. Égal. Ah non, c'est pas ici. Voilà. Donc, back. Background. Color, je crois. Égal. Là, je vais faire la même chose, sauf que je vais inverser les couleurs. Donc, au lieu d'utiliser le HOD, CTRL-Z, CTRL-C, je vais utiliser le EVEN. Voilà, je réactualise et logiquement je vais avoir un fond qui est. Ça ne marche pas. Très bien. Donc, style, background, color. Voilà. Peut-être que je me suis trompé. Voilà, c'est background-color. Oui, pas de suggestion, c'est pas bon signe, mais on va voir. C'est pas là. Je crois que l'erreur, elle vient de là en fait. Donc ici égal. Donc tout ça, c'est dans le style. Et donc je vais prendre ça. Déjà, c'est pas un égal, c'est un 2 points. Et il n'y a pas ça. Parce que j'ai pas utilisé cette balise depuis longtemps. Donc je vais prendre tout ça, CTRL X, et je vais mettre ça ici. Voilà. Est-ce que c'est correct ou pas? De toute façon, on va tester, sinon on va aller chercher sur Google. Non, c'est pas correct. Donc, style. Attribute. Voilà. Voilà. Point virgule pour nous donner la deuxième valeur. Donc ici, il nous manque un point virgule. Voilà. Et on va aller tester. Voilà, ça marche. Et donc vous voyez qu'on peut colorer ce qu'on veut, comme on veut, en utilisant les propriétés de notre boucle. L'autre truc qu'on peut avoir avec cette boucle-là, c'est par exemple, d'habitude, si votre variable n'existe pas, vous devez la tester dès le départ pour ne pas avoir de problème, etc. Si on peut justement simplement faire ça et lui dire un petit else, ce else-là signifie que si le tableau sur lequel on va boucler est vide, eh ben, on va avoir la possibilité de faire un traitement dans ce cas-là. Donc mon tableau est vide. Par contre, là, c'est à l'intérieur du tableau, donc je vais faire un petit RTD. Donc TR, TD, voilà. CTRL X et hop, ça marche. Voilà. Maintenant, ça devrait rester la même puisqu'on n'a pas donné le nom d'une variable qui n'existe pas. Par contre, si j'ajoute un petit O à notre foo, là, on devrait avoir une seule colonne avec mon tableau vide. Foo does not exist. Oui, je sais qu'elle n'existe pas. Normalement, ça devrait marcher. For avec un petit else. Et donc, elle teste pas sur ça.
Ok. Donc, on va garder ici et mettre tout simplement. Ctrl D et là je vais faire un set fou égal à voilà, comme ça me donnera un tableau vide et là ça devrait marcher. Ah, j'ai pas changé, donc c'est un fou avec un autre haut. Voilà, j'actualise et là ça devrait marcher. Voilà, par contre c'est pas normal. Il n'est pas en train de voir le else. Je comprends pas pourquoi. For valeur une valeur else. Normalement, tu dois faire afficher ça. Là, il est en train. Ah. Attendez, on va trouver. Donc, je vais faire un var dump. De fou, tout simplement. Et là, tu vas me dire ce qu'il y a dans ce. Si c'est un tableau avec un seul élément qui est vide, voilà, c'est pour ça. Et donc, on va faire un. On va enlever ça. Et on va lui dire que fou, ça va être ça, c'est tout. Je sais pas si ça marche. Ou non. Voilà, mon tableau est vide, tout simplement. Et donc, ça marche. Donc ici, l'apport, c'est d'ajouter un petit else dans le cas où votre tableau est vide. Mais je suis pas sûr, mais j'étais presque certain que l'utilisation de for qu'il testait sur le tableau. Si le tableau était vide, il passait là. Et apparemment non, donc il faudra finalement tester sur votre variable foo dès le départ et pour être sûr qu'elle existe, faire un petit if foo is defined. Voilà, tout ça c'est dans cette boucle-là, sinon afficher un autre chose. Sinon, si vous avez un tableau qui est vide, eh ben, vous pouvez le gérer en utilisant le petit else ici. Donc n'oubliez pas que vous avez votre variable loop qui va vous permettre d'avoir plus d'informations sur ces données-là.